S'il vous plaît, petite succube, venez jouer avec mon corps toute la nuit. Il est à vous. Vous aimez les démons? Moi aussi. Vous aimez le sexe? Moi aussi. Vous aimez les succubes? Moi aussi. Les succubes, ces êtres qui en font bander plus d'un, mais qui sont en fait pas très très gentils. Forcément, ce sont des démons, et comme leurs collègues masculins, les incubes, ils viennent nous visiter la nuit pour faire tout un tas de folies. Enfin, ça c'est dans la théorie, dans la pratique c'est pas trop ça. Mais commençons par le commencement, que veut dire succube? Ça vient du latin succuba, qui veut dire concubine. Mais une autre étymologie fait dériver le mot de succubar. Su pour sous, cubar pour coucher. Donc coucher sous pour succube. Et incubar pour incube, donc coucher sur. Ce sont donc des démons de la luxure, et ils ont chacun un chef. Lilith, la première femme d'Adam, devenue une démon, est la chef des succubes. Et Pan, l'ancienne divinité grecque, est le chef des incubes. J'ai fait une vidéo sur chacun d'eux, n'hésitez pas à aller les voir. Ils viennent donc nous visiter la nuit. Pourquoi? Plusieurs choses. Nous prendre notre énergie, nous prendre notre sperme, pour se reproduire, mais aussi pour s'amuser, on va pas se le cacher. Les succubes prennent par exemple l'apparence de femme que l'on désire, ou parfois même prenant l'apparence d'une défunte pour coucher avec le mari, croyant à un miracle et fêtant le retrouvaille dans la luxure. Je vous dis pas la tête du mari lorsqu'il se réveille au petit matin à côté du cadavre plein d'asticots de sa femme. Et dans le pire des cas, certaines dévorent même leurs victimes après avoir copulé toute la nuit avec. Les incubes sont pour beaucoup des anges déchus à la base. Et ce sont de sacrés pervers, des pervers machiavéliques. Ils préfèrent coucher avec des femmes mariées, parfois même à côté du mari endormi. Et le must du must, c'est quand ils prennent l'apparence d'hommes d'église pour coucher avec des bonnes sœurs. Ça, c'est le goal absolu. Ils viennent pour se reproduire, sauf que les incubes sont stériles. Du coup, ils doivent user de stratagèmes. Les incubes prennent l'apparence de succubes, enfin de femmes tout simplement, couchent avec des hommes, récoltent leurs semences, puis couchent avec des succubes. Ils peuvent ainsi devenir papa. C'est beau. Mais les succubes n'ont pas besoin des incubes pour enfanter. Elles peuvent directement tomber enceintes en couchant avec des hommes. D'ailleurs, Adam, après qu'Ève l'ait trompé avec Samaël, fit de même et alla faire des galipettes avec de nombreuses succubes. Ce qui donna naissance à de nombreux démons. Père des hommes et père des démons, ça fait un paquet de descendants tout ça. Parfois, les incubes déversent leurs semences corrompues dans le corps de femmes, ce qui donne naissance à des cambions. Des êtres qui ne respirent pas, qui n'ont pas le cœur qui bat, sont extrêmement lourds et possèdent un appétit féroce. Ils ne vivent généralement pas plus de 7 ans, mais ceux qui y parviennent deviennent indétectables parmi les humains. On raconte de nombreuses histoires sur des enfants qui seraient nés d'incubes ou de succubes. Les Huns, Alexandre le Grand, Merlin l'Enchanteur, Platon, etc. D'ailleurs, voici deux petites théories. La première, Jésus est né de la Vierge Marie. Les incubes peuvent engrosser des femmes sans déflorer leur vertu. Et pas forcément avec du sperme, mais aussi à partir de leur essence. Donc, imaginons que Marie ait copulé avec un incube, et 9 mois plus tard, alors qu'elle n'a couché avec personne, vient la naissance du petit Jésus. Vous imaginez, celui qu'on prend pour le fils de Dieu serait en fait le fils d'un démon. Ce serait tellement drôle! 2000 ans de tromperie, de massacre, de personnes louant un démon. Deuxième théorie. Il y a de nombreuses histoires de femmes qui tombent enceintes sans avoir de mari ou alors sans avoir copulé. L'Église, dans sa grande bonté, pensait que ces femmes étaient des sorcières et qu'elles avaient couché avec des démons, voire le diable en personne. Et qu'est-ce qu'il se passe quand l'Église trouve une sorcière? Eh ben elle la crame! Sauf que si ça se trouve, ces enfants nés de vierges, eh bien c'étaient des enfants de Dieu, voire des réincarnations du Christ. Ce serait si drôle que l'Église crame leurs prophètes dont ils attendent tellement le retour. Voici quelques petites histoires sur des succubes ayant apparemment existé. Au XIIe siècle, un homme avec un groupe d'amis profitèrent du clair de lune pour prendre un bon bain de minuit. L'un d'eux aperçut une femme qui se noyait et alla la sauver. Elle était si belle qu'il tomba éperdument amoureux,
l'épousa et ils firent un enfant. Quelques années plus tard, la femme disparut avec l'enfant. On accusa la femme d'avoir été en réalité une succube. Le philosophe Hector Boèce, au XVIe siècle, dans son livre « Histoire du peuple écossais », nous raconte qu'un homme d'une immense beauté était sans cesse poursuivi par une démone, qui passait même à travers sa porte pour lui demander de l'épouser. Il réussit à s'en débarrasser en jeûnant et en priant. Ou alors il la tua tout simplement. Un soldat, après avoir joui des faveurs d'une belle femme toute la nuit, se réveilla au petit matin avec dans ses bras le cadavre d'une bête. C'est dégueulasse ! En Sardaigne, une femme aimait un homme en secret. Le diable s'en aperçut, prit l'apparence du jeune homme, épousa en secret la jeune femme, consomma le mariage, puis disparut au petit matin. Quel filou ! La jeune femme s'en rendit compte en croisant le jeune homme qui fit mine de ne pas la reconnaître. Elle l'insulta, mais au fond d'elle, elle savait que le diable l'avait baisé. Ouais, ou alors le mec il a juste tiré son coup et après il fait mine de rien. On retrouve dans d'autres croyances et contrées des créatures de la nuit qui viennent faire des cochoncetés avec des humains la nuit. Dans les Antilles, sous le nom de Dorlis, au Maghreb on les appelle Al-Djinn Al-Ashik, ce qui signifie le djinn ou le démon amoureux qui habite le corps d'une personne. Paye ton nom à rallonge quand même. Dans les OS, au nord de l'Algérie, les Adjeni s'attaquent aux femmes et les Tadjeni s'attaquent aux hommes. Chaque succube et incube étant attachés à une seule personne. En Côte d'Ivoire, il existe une croyance dans les femmes de la nuit ou mari de la nuit, esprit qui prendrait l'apparence de l'être aimé ou désiré, pour s'accoupler avec une personne pendant son sommeil. Dans la première vidéo que j'avais fait sur les succubes, nombreuses sont les personnes qui m'ont demandé comment faire pour coucher avec une succube. La réponse, j'en sais rien. Mais si ça peut vous aider, de nombreuses personnes me demandent aussi comment faire pour se débarrasser de succubes qui viennent les tourmenter chaque nuit. Ce qui veut dire que c'est pas une très très bonne idée d'invoquer une succube quand tu es en manque de sexe. Et pour les personnes qui ont besoin d'aide, eh ben, je sais pas trop quoi vous dire. Branlez-vous, peut-être que si vous n'avez plus de semences, eh ben, elles viendront pas vous embêter. Et puis, il y a de grandes chances que ce soit juste une paralysie du sommeil et non une succube qui viendrait vous pomper. Sur ce, merci d'avoir regardé ce reboot d'Histoire de démons, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo, et sur ce, je vous dis à la prochaine !